Les scénaristes de demain nous appartient ont choqué les fans en faisant mourir Louise. Mais la séquence où elle décède à l'hôpital n'est-ce pas la dernière scène qu'Hector Langevin et Alexandra Naoum ont tournée ensemble? Les drames se suivent et ne se ressemblent pas pour les Valorta dans Demain nous appartient. Après avoir dû faire face à la folie de Flore, Anne Caillon, qui a fini par être internée en hôpital psychiatrique, Hector Langevin, a été confronté à l'impensable cette semaine, la mort de Louise, Alexandra Naoum, la femme de sa vie, quelques heures seulement après leur mariage. Centré sur les agissements d'un copycat qui reproduit le mode opératoire du tueur à la rose tigre et scène prend à tous ceux qui ont été impliqués dans les préparatifs du mariage du couple, l'intrigue Noce Rouge a réussi à surprendre tout le monde et à choquer les fans de la série, qui n'étaient pas prêts à dire au revoir à un personnage phare comme Louise. Et encore moins de manière aussi tragique. Interrogé sur cette arche narrative choc et sur les récents événements qui ont chamboulé la vie de Hector Langevin nous a confié que la scène durant laquelle Louise décède à l'hôpital, sous les yeux de son mari, n'est-ce pas la dernière séquence qu'il a partagée avec sa partenaire de jeu Alexandra Naoum sur le plateau de Demain nous appartient. La dernière scène qu'on a tournée n'est-ce pas la dernière que vous avez vue à l'écran, car on tourne un petit peu dans le désordre, nous a expliqué l'interprète de La dernière scène qu'on a joué tous deux c'est la scène où Bar et Louise parlent d'un projet de bébé, dans l'épisode du jeudi 12 mai, NDLR. C'était assez dingue de jouer ça comme dernière séquence avec Alexandra. C'était un bel au revoir qu'on, au planning ils ont été très bons de nous faire jouer ça en dernier. Ça nous a permis de nous retrouver tous les deux, de nous faire un gros câlin, et d'être heureux pour la fin, et de ne pas avoir un souvenir amer de tout ça. Mais bien sûr, l'émotion était bel et bien là sur le plateau au moment de se dire au revoir. Peu importe la tonalité de la séquence. Bar et Louise sont des personnages très ancrés en nous, donc on a forcément eu un pincement au cœur au moment de se dire au revoir et de tourner cette séquence, poursuit Hector Langevin. Mais on est très professionnels Alexandra et moi, donc on a préféré voir le positif dans tout ça. Et si le jeune comédien assure que ce n'était qu'un au revoir et qu'il reste évidemment en contact avec Alexandra Naoum, la suite de l'histoire de son personnage s'écrira donc sans Louise. Mais pour savoir ce que les auteurs de Demain nous appartient réservent à Bar après ce drame, il faudra s'armer d'un peu de patience.